Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Psychodose. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet passionnant, les 7 signes que l'univers envoie lorsque tu es sur le point de rencontrer ton âme sœur. Lorsque l'univers orchestre une rencontre spéciale, il met en place certaines circonstances et signes subtils pour t'indiquer que quelque chose de merveilleux se prépare. Synchronicité, lorsque l'univers veut que tu rencontres ton âme sœur, tu commenceras à remarquer des synchronicités dans ta vie. Des coïncidences significatives se produiront, comme si le destin intervenait pour vous rapprocher l'un de l'autre. Peut-être que vous partagez des intérêts communs, que vous vous trouvez fréquemment au même endroit, ou que vous rencontrez des personnes qui vous mettent sur le chemin l'un de l'autre. Une connexion profonde, lorsque tu rencontres ton âme sœur, tu ressentiras immédiatement une connexion profonde et inexplicable. Il y aura une alchimie naturelle entre vous, une compréhension mutuelle qui dépasse les mots. Vous vous sentirez à l'aise et en sécurité en sa présence, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Des rencontres fortuites, l'univers peut mettre en place des rencontres fortuites pour faciliter votre rencontre avec ton âme sœur. Peut-être que vous vous croiserez dans des situations inattendues, que ce soit lors d'un événement, d'un voyage ou même d'une simple sortie. Ces rencontres semblent être le fruit du hasard, mais en réalité, elles sont orchestrées par l'univers. Les leçons du passé. Avant de rencontrer ton âme sœur, l'univers peut te faire passer par des expériences et des relations qui t'enseignent des leçons importantes. Ces expériences peuvent sembler difficiles ou douloureuses, mais elles te préparent à reconnaître et à apprécier la relation avec ton âme sœur lorsqu'elle se présente. Tu te rendras compte que toutes tes expériences passées t'ont conduit à ce moment précis. Un sentiment d'urgence. Lorsque l'univers veut que tu rencontres ton âme sœur, tu ressentiras un fort sentiment d'urgence, comme si le temps était compté. Tu peux ressentir un désir ardent de rencontrer cette personne spéciale et de créer une connexion profonde avec elle. L'univers te pousse à saisir cette opportunité et à ouvrir ton cœur à l'amour. Les signes de l'univers. L'univers peut envoyer des signes subtils pour te guider vers ton âme sœur. Tu peux commencer à remarquer des symboles récurrents, des chiffres spécifiques ou des rencontres avec des personnes qui partagent des histoires similaires. Ces signes te rappellent que tu es sur le bon chemin et que l'univers travaille en coulisses pour t'amener vers ton âme sœur. Un sentiment de complétude, lorsque tu rencontres ton âme sœur, tu te sentiras enfin complet. Tu comprendras pourquoi toutes les relations passées n'ont pas fonctionné, car elles étaient destinées à te préparer à cette rencontre spéciale. Avec ton âme sœur, tu te sentiras enfin compris, soutenu et aimé de manière inconditionnelle. Vous vous compléterez mutuellement et vous soutiendrez dans vos rêves, objectifs et défis de la vie. Il est important de rester ouvert et réceptif aux signes que l'univers t'envoie lorsque tu es sur le point de rencontrer ton âme sœur. Garde l'esprit ouvert, fais confiance au processus et sois prêt à suivre les signes qui te guideront vers cette rencontre magique. Rappelle-toi également que le timing de l'univers peut être différent du tien. Parfois, il faut être patient et laisser les choses se dérouler naturellement. L'univers a un plan pour toi, et lorsque le moment sera venu, tu rencontreras ton âme sœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les 7 signes que l'univers envoie lorsque tu es sur le point de rencontrer ton âme sœur. J'espère que ces informations t'ont aidé à mieux comprendre les signes subtils et les circonstances qui accompagnent cette rencontre spéciale. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu inspirant et des conseils sur les relations et le développement personnel. Souviens-toi, lorsque l'univers veut que tu rencontres ton âme sœur, il se passe des choses magiques.